Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les équipes sont arrivées il y a un peu plus d'une heure maintenant. Elles se sont échauffées dans de bonnes conditions. La pelouse est belle. Elle a été tondue juste à la bonne hauteur pour que le ballon glisse bien, aille rapidement. L'ambiance était plutôt bonne, malgré le ciel menaçant qui pourrait nous donner un peu de pluie plus tard. Mais pour l'instant, pas de gouttes. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et voici l'hymne national de la France. On continue maintenant avec le deuxième hymne national. Le stade est plein ou quasiment plein et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. C'est vrai qu'à niveau casting, on peut difficilement faire mieux. Voilà deux superbes équipes. On espère forcément du beau jeu maintenant. On va voir si les entraîneurs tentent un peu des coups en donnant du temps de jeu à des jeunes par exemple. Ça peut rajouter un peu de piquant, c'est ce que je ferai moi. On va voir ce que nous réserve ce match. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Brahimi, la longue passe. Il y a peut-être un coup à jouer. Bien tenté. La frappe! L'Algérie qui essaye de construire. Benzema! Benzema qui centre. Le bon jaillissement. Ça passera sur le côté. Benzema! La frappe! Lloris, la parade exceptionnelle! Oh, c'est un arrêt important, ça! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! Vous avez remarqué comme les latéraux montent? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Il en profite, à gauche. Le bon dribble. Pavard, il intervient, il le fallait. Il remporte son duel. Feghouli. Et le ballon continue de lui coller au pied. Benzema. Super arrêt de Lloris. Bien repoussé par le gardien. Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Ce sera le premier corner du match. La défense bien présente. Benzema! Il frappe! Lloris, la parade exceptionnelle! Une parade magnifique! Oui, quelle intervention! Honnêtement, moi je la voyais dedans.
Le corner est joué court. Il est bien placé. Benzema. C'est bien placé ce ballon, tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Bien, ça fait 1-0. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. On nous annonçait la pluie, la voici. Kanté, ça part de l'autre côté. Et le ballon qui passe de l'autre côté. Donc ça va partir vite. Il allonge le jeu. Oh, l'intervention de Varane. Il est passé. Il le casse. Benzema, quel but! Ils enfoncent le coup en marquant rapidement à l'autre but. Grosse frappe et pourtant il était loin. Je crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien avait l'air complètement perdu. En tout cas, le tir était parfait. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Attention, Griezmann ! Et c'est un but ! Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. Ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bon service dans la profondeur. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Cette passe en profondeur vers Giroud. Ouverture lumineuse. Voici Mahrez. Il tente de la jouer dans l'espace. La bonne passe. Long ballon dans le sens du jeu. La France qui cherche à déclencher du mouvement. Ça joue long vers l'avant. C'est joué long. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il allonge vers l'avant. C'est joué dans la profondeur. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. On ne s'est pas ennuyé. On a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Moi, je trouve qu'on a vu une première période ouverte et équilibrée entre deux équipes qui n'hésitent pas à prendre des risques pour faire la différence. Vivons la suite. Mais 3 buts dans cette première période, le score 2-1. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. C'est bien exécuté. Mahrez. Ce ballon bien dosé, la passe est précise. Benzema! Ils peuvent remercier la chance cette fois. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. Oh, quelle frappe! Et le gardien est présent! Et voilà une façon de faire briller le gardien. Il change le jeu. Le ballon passe d'une aile à l'autre. On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Et le ballon qui est remis dans l'axe.
Kanté qui a de l'espace. Griezmann qui cherche la profondeur. Ça joue long. Benzema reçoit le ballon. Ça peut partir en contre. Il va au duel. L'arbitre signale une faute. Ça manque de précision, dommage. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Griezmann, qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Fekir. Pogba. La profondeur, bien vu. Oh, le bon ballon! Il y a peut-être un coup à jouer. Allez, jusqu'au bout! Oh, dommage, la passe était parfaite. Il y a vraiment des boulevards dans la défense, il va falloir régler ce problème. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Oh, le duel. Le tacle glissé. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Oh, Griezmann! Griezmann, qui est forcé de temporiser un peu, là. Et le bon dégagement. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. La bonne interception. Griezmann. Raphaël Varane. Griezmann. Il est sur le côté. Benzema. Oh, quel geste. Benzema. Un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Mbappé. La France qui a le contrôle de l'entrejeu. Il change complètement de côté. Hernandez. Et pour lui, attention. Ça peut être dangereux. Ah, ça n'ira pas au bout. C'est vraiment dommage, il leur manque toujours un petit quelque chose. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Encore quelques instants et ils pourront fêter la victoire. Le ballon dans la profondeur. Et c'est un corner. Long ballon vers l'avant. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Mais qui a dit que dans le football, il n'y avait plus de spectacle? C'est faux. Regardez, la preuve, aujourd'hui, on s'est régalé sur la pelouse. Même si à l'arrivée, il n'y a qu'un petit bout d'écart. Alors, que retenir de cette rencontre? Eh bien...